Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui, je vais vous parler de la série animée Maya l'abeille volume 1 en format DVD. Créée par Valdemar Bonsels et distribuée par Imavision, l'ensemble de disques est disponible en magasin depuis le 26 février 2013. Curieuse et exploratrice, la petite Maya n'est pas une abeille comme les autres. Elle a quitté la ruche où vivent ses congénères et profite de sa liberté pour s'aventurer dans la forêt, explorer la faune et la flore et profiter de l'immense prairie avec son meilleur ami Willy. Très sensible aux injustices et aux malheurs des autres, Maya cherche toujours à venir en aide aux insectes en difficulté. Tout le monde ou presque est d'une manière ou d'une autre familier avec la série télévisée d'animation japonaise du même nom diffusée à l'époque sur Canal Famille qui fut un succès international. Bien que la série ait vu le jour pour la toute première fois en 1975, puis une seconde fois en 1982, les aventures du personnage de Maya l'abeille ont été écrites en 1912 par l'Allemand Valdemar Bonsels. Depuis, les aventures de Maya, cette jolie petite abeille charmante à l'âme charitable, étaient absentes des ondes. C'est en 2011 que Studio 100, une compagnie d'animation belge, fait l'acquisition des droits des personnages afin de les revisiter au goût du jour, soit en animation 3D. Cette nouvelle mouture démontre une fois de plus l'intemporalité de Maya avec ses messages et ses thèmes sur la liberté, l'amitié, le partage et l'entraide. De plus, l'un des aspects les plus intéressants des 14 épisodes présentés dans cet ensemble DVD est la dimension pédagogique qui y est ajoutée. À chaque épisode, les enfants apprendront quelque chose sur la botanique ou sur les astuces des insectes. Depuis les années 80, bien des choses ont évolué dans le monde des dessins animés, notamment avec les techniques d'animation. La nouvelle série démontre, entre autres, une nette amélioration au niveau de la fluidité et des couleurs des personnages, ainsi que des décors qui surprennent si on compare cette nouvelle série aux précédentes. Mais ces changements n'empêchent en rien la façon de raconter une histoire. Les valeurs et les idées restent les mêmes et l'expérience visuelle est d'autant plus agréable. Le transfert vidéo d'Imavision est la plupart du temps très satisfaisant en ce qui a trait aux détails et aux couleurs, principalement lors des gros plans et des plans moyens sur les personnages. Les plans d'ensemble sont parfois un peu flous et présentent parfois quelques petits problèmes de compression, mais sinon rien de bien dérangeant. Du côté technique, une piste sonore en français Dolby Stereo 2.0 est offerte sans sous-titres. L'image est présentée en format panoramique 16:9 et aucun supplément n'est offert. Destinée aux enfants âgés de 4 à 7 ans, cette nouvelle série animée des aventures de Maya l'abeille plaira avec son ambiance joyeuse et ses couleurs éclatantes. Ce classique pour enfants fait une très belle entrée dans le 21e siècle en une version animée 3D de qualité. Imavision présente une fois de plus un premier volume d'une collection qui charmera sans doute les tout-petits. C'était Justin, merci et bon visionnement!